Bonjour, donc mon nom est Stéphane Beck, je suis chercheur à l'École d'économie de Toulouse TSE. J'appartiens au groupe de recherche économie de l'environnement et des ressources naturelles qui, comme son nom l'indique, s'intéresse aux questions de protection de l'environnement et de gestion sobre des ressources naturelles. Nos recherches portent sur les politiques publiques qui ont cet objectif de réduire les effets néfastes de la pollution ou de mieux gérer la biodiversité, les ressources. On s'intéresse aux instruments économiques de gestion de l'eau. Donc, ces instruments se basent sur des mécanismes de marché pour préserver la ressource et réduire la pollution. Dans le cadre d'une coopération avec l'OCDE, nous avons établi un dialogue de politique publique avec la Corée et le Brésil pour les aider à mettre en place ces instruments économiques, c'est-à-dire des taxes sur les pollutions diffuses, des marchés de l'eau, afin de mieux gérer la ressource et de réduire la pollution des cours d'eau. Si on regarde à long terme, le grand enjeu auquel on fait face, notamment pour les générations futures, c'est la question du dérèglement climatique. Et là, toute l'action se passe dans les pays en voie de développement, qui vont avoir une croissance assez importante, notamment dans leur usage de l'énergie. Donc tout le défi est de faire en sorte que cette croissance soit durable, moins émettrice de gaz à effet de serre.